Dave, c'est fun marcher en forêt, c'est fun aller chercher des orignaux, des chevreuils en faisant de la chasse fine. Sauf qu'il y a toujours un aspect de sécurité qu'il faut garder en tête quand on entre en forêt. Puis là, ben, cette semaine, tu nous arrives avec un outil qui peut vraiment nous aider à ce niveau-là. Je sais qu'il existe des téléphones cellulaires avec des applications, mais un bon GPS restera toujours un bon GPS. Tu l'as bien dit. C'est un outil indispensable, donc un GPS. Là, cette semaine, on vous présente le GPS Map 65 de Garmin. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'être capable d'aller dans le bois en toute sécurité. Donc, on le sait, si on veut se promener dans le bois, découvrir du territoire, mais il faut être capable d'avoir quelque chose qui va nous orienter sans se limiter. Puis, souvent, ben, les gibiers, quand il y a une présence d'humains qui est répétée dans les secteurs où il y a plus d'humains, ben, ils vont se reculer dans le bois. Plus loin, puis si on va être capable d'y aller, ben, ça va nous prendre des GPS comme ça, puis on va pouvoir parcourir du territoire plus facilement. On va être capable aussi de voir là, avec les maps qu'on a dans le téléphone les bons secteurs à aller chercher plus facilement. Ouais. C'est extrêmement précis les GPS, Dave, parce que bon, il y a des fonctions que le téléphone n'a pas nécessairement accès. Accès exactement. Parle-nous-en donc un petit peu, je pense qu'ils peuvent se connecter à différents satellites. Oui, exactement. Plusieurs satellites là, dans l'univers que le GPS peut avoir accès, que le téléphone n'aura pas accès. Donc, on aura une meilleure précision, puis une meilleure rapidité aussi là, à s'orienter, à savoir où on est rendu quand on marche dans le bois. Ouais. Plusieurs cartes aussi sont disponibles avec ces GPS-là. Ce modèle-là qu'on a ici, le GPS Map 65, nous permet d'aller sur Internet avec notre ordinateur. Et ils se mettent différentes cartes. Ouais, ben celle-là vient préloadée avec déjà une carte de base. On a déjà une carte de base. Plus, par la suite, là, on est capable d'aller sur Internet, Topo 24K et OnsWild, OnsView, une application qu'on est capable d'aller chercher des cartes, puis les mettre sur une micro SD, puis ensuite les mettre dans notre GPS. Ouais. Parce que notre GPS a un port micro USB qu'on peut incorporer dedans. Donc, c'est génial. On peut travailler avec notre cellulaire pour un type de carte en particulier, puis avoir notre GPS pour complémenter, exemple, on veut le type de forêt ou encore avoir la topo plus précise, on peut travailler avec les deux cartes, c'est génial. Oui, puis on a une capacité aussi avec une micro SD qu'on peut ajouter, mais le GPS de base a une très bonne capacité là, de mémoire. Donc, on peut mettre des waypoints puis des tracés. Donc, on peut en mettre plusieurs. On parle de 500 tracés puis 5000 waypoints. Okay. Donc, c'est beaucoup. Là. Quand on a trouvé 5000 souris habituellement, c'est parce qu'on a dormi. On est à bonne place, mais on a peut-être bien changé de territoire plusieurs fois. Dave, en terminant, cet appareil-là est alimenté par des batteries 2A. Des batteries 2A. Deux fois deux batteries 2A. Puis, l'autonomie des batteries 2A est excellente. Si on parle de 16 heures environ d'autonomie là, avec des batteries 2A, si on prend des bonnes batteries, là, nous, on utilise beaucoup les batteries énergiseurs qui font une super bonne job. Mm-hmm. Donc, on a une bonne autonomie. Puis, on s'entraîne, c'est pas gros à traîner. Donc, tu traînes des batteries plus. Si jamais tu manques de batteries, t'es en sécurité, tu mets d'autres batteries. C'est bingo! Exactement. Donc, on invite les gens à venir voir ce GPS-là en magasin. Le GPS Map 65, c'est disponible dans toutes les boutiques Nature, Chasse et Pêche. Et sur notre site web qui est représentatif des 7 magasins. Merci beaucoup, Dave. Merci.